Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 avec toujours notre ami le Cygne Noir et son équipe. Donc on avait lors du dernier épisode commencé à visiter un peu la Raveline notamment et le magnifique bar du coin qui s'appelle le Trou, le bien nommé. Et on avait réussi à avoir des infos sur la fameuse allée du mineur qui est apparemment un espèce de marché noir un peu coupe-gorge. Donc du coup on a plusieurs quêtes à faire dans le coin. Pourquoi les tempêtes de Pokohara me donnent ce truc là, voilà. Et donc du coup bah il faut qu'on avance là-dessus quoi. On devait également. Ah bon, apparemment on a un event, ok, regardons ça. Les gens qui nous attendaient. Alors, un homme s'approche nonchalamment de vous avec un sourire édenté, une longue cicatrice tordue court sur son bras, il a relevé sa manche pour l'exhiber. Ok. Vous devez être nouveau, heureusement pour vous, nous allons vous faire un prix spécial en tant que nouveau client. Un sac de pièces de cuivre en échange de votre vie. D'accord, ok. Toutefois, la façon dont ils se sont tous attroupés autour de vous, laissant leur propre arrière sans surveillance, vous indique qu'ils ne sont pas ici depuis très longtemps non plus. Ok, ça c'est notre roublardise qui nous permet de remarquer ça. Alors, on peut lui dire, faire craquer nos phalanges, on va bien s'amuser. Vous devez être encore plus nouveau que moi, ce qui explique que vous empiétez sur le territoire de quelqu'un d'autre. Ah, on peut faire un truc en tant que divin de la mort, vous voulez savoir ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour hériter de ce visage, on va faire ça, tiens. Il a eu sa valse, sa salive bruyamment, observant les rides et les crevasses de votre peau. Est-ce qu'on a quand même une gueule de merde, faut l'avouer. Les brigands se regardent et échangent quelques chuchotements paniqués. On dirait qu'on a fait une erreur, on oublie ça à sa rancune. Il sourit et commence à reculer. Il déguerpisse et se perdre au milieu de la foule. Comme quoi, notre tronche sert quand même à quelque chose. Parfait. Continuons notre chemin. Bon, c'est un peu la zone, j'imagine qu'on doit pouvoir en rencontrer d'autres. Ce sera peut-être pas aussi facile la prochaine fois. Alors du coup, ah ouais putain c'est immense en fait. Tas de détritus, les gorges, maison troglodyte, maison de Télis, quelque chose Télis, maison de l'ancien Roparu. Ok, bon on va commencer par la maison qui nous intéresse, à sa fois celle de Biha. On a une quête qui nous demande d'aller la voir, donc bah, on va aller la voir, tout simplement. On a également la vieille ville à aller visiter. Alors, visiblement, elle croit qu'on est des gardes. Deux nourrissons maladifs gisent emmaillotés dans des guenilles. Ok. Une femme s'acharne sur une rangée de tuniques et de sarons pendus aux chevrons. Ses dents pointues sont serrées par la frustration et sa bouche est ouverte comme si elle grognait. Plusieurs enfants forment un attroupement, ils chuchotent et observent les yeux rougis par les pleurs. Botaro n'est plus là, mort. Que voulez-vous de plus ? On va lui dire de prendre une longue inspiration et discuter calmement. Elle vous regarde pour la première fois, une fraction de sa colère se dissipe. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour l'un de ces étrangers qui l'a fait fuir. Les étrangers vont toujours à la taverne du coin. Mon village n'était pas ainsi. Pourquoi la reine Onekaza ne fait-elle pas partir les étrangers? Alors, elle empêche ses enfants de nous répondre pour maîtriser un petit peu la situation. Botaro est déjà assez puni comme cela, mais quelle que soit l'enfance qu'il ait commise, ne vous la mettez pas sur le dos. Il essaie de vous dire quelque chose, le contremaître n'en a pas après vous. Je sais que vous avez peur, mais je ne suis pas venu vous faire du mal. On a le visage de Tangoloa, l'aiguille de la mort. Ah bah oui, là, effectivement... Les marrants disent qu'ils apportent des richesses dans leur grand bateau. Le ticu éclate et se fend sous sa furie, la sueur vole, éclaboussant le sarron propre. Mais qu'est-ce qui nous parvient ici à la ravine, le crime et la maladie, voilà tout. On va écouter. Les Rotoïs promettent monts et merveilles, des murs résistants et une vie d'abondance pour tous. J'ai encore mal au dos d'avoir construit leur forteresse, je vis toujours ici. Et Botaro disait qu'on allait enfin partir. Alors, si on était un prêtre, on pourrait dire des trucs, on peut continuer d'attendre, on va continuer d'attendre. Les étrangers recouvrent nos îles de murs et de portes. De nombreux Vana viennent à Nekataka, mais même ici, les étrangers nous envahissent. Dans les villages, les chefs connaissent même les reparus. Ici, même les voisins se comportent en étrangers. Voilà ce qu'est devenu le feu éteint. Je désire seulement être libéré de cet endroit. C'est ici que les ennuis ont commencé. J'ai entendu dire qu'un capitaine Rautai a fréquenté la taverne, Céduzo qu'elle s'appellerait. Il paraît que c'est une marchande, je me suis dit qu'elle accepterait peut-être d'embarquer des passagers. Étrange, ils sont censés rester en haut.
Ah bah oui, c'est la fille qu'on a vue dans le dernier épisode qui était à la taverne, là. Potaro, elle l'a trouvée. Prochaine fois que je le vois, les gardes l'enferment dans un cage. Paladin et même le voyageur, on pourrait faire un truc, mais on ne peut pas le faire. On va lui dire qu'on peut peut-être discuter avec machin, là. Tout le monde sait que les Rawatoi ils sont têtus, ils n'écoutent que leur commandant, mais qui sait, peut-être que ça sera différent avec nous. Bah ouais, on va y aller en mode gros chantage de la compagnie du feu éteint. Quand il allait négocier avec le capitaine, Botaro emportait de l'argent, tout ce qu'il a pu accumuler en travaillant sur les quais. Je vous l'offrirai bien, mais sans doute dans la vieille ville avec Botaro, ou dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, on va lui demander d'avoir un peu plus d'infos sur Seduzo si elle a ça. Elle a expulsé Botaro. Il faisait toujours attention à ce qu'il disait, surtout en tant que Roparu. Mais un Roparu à Neketaka comme un délire incorrespérant en l'air des castes supérieures. Ok, parlez-moi de cet argent. Je vous le dis, j'ignore où il trouve. Non mais je voulais pas le piquer, je voulais savoir combien il y avait pour leur demander. Oh là là, tout de suite cette suspicion. Après ce qui s'est passé, Botaro préférerait le jeter à l'eau plutôt que de le donner au Mataru ou Roatai. S'il se trouve quelque part, c'est sûrement sur son corps. Combien d'entre vous doit se rendre au Roatai? Nous sommes 6, 3 enfants, 2 bébés et moi, ils sont tous à vous. Un enfant Roparu est l'enfant de tous les Roparu, de moi c'est ainsi qu'il en va au village, le village dont Botaro et moi sommes originaires. Ici, en revanche, nous sommes tous des étrangers. Personne ne veille sur les malades ni ne s'occupe des enfants. On va demander s'il peut emprunter un autre navire. Beaucoup de bateaux quittent la jetée de la reine, mais les Valiens prennent des esclaves. On dit que les Principi utilisent les grottes en dessous pour faire de la contrebande, mais il m'est impossible de faire confiance à des gens pareils. Les Rawatai possèdent de puissants canons, ainsi qu'une grande patrie qu'ils abandonnent pour la nôtre. Peut-être y a-t-il plus de place pour nous là-bas. Ok, on va essayer de voir un peu si on peut pas du coup travailler un peu la dame au corps. Savoir au moins ce qui s'est passé. On a la vieille ville à explorer, donc on pourra complètement aller le chercher éventuellement le mec. Ça nous a quand même mis à jour la quête... Quelle quête? Quête finie? Non? Ah non, c'était tout le monde à bord, pardon. C'est celle qui était sélectionnée depuis le début. Alors, contactez le capitaine au sujet d'un droit de passage. On va aller voir un peu ça. Les chiens de Dishi sont pires que le goudron pour le cuir, c'est la deuxième fois qu'il tâche mes bottes. Ok, il s'engueule. Il essaie simplement de s'insinuer dans vos bonnes grâces, Luciole. Justement, je lui glissais quelques graines supplémentaires. On peut lui déguiser une personne sur laquelle fianter parce que j'ai une petite idée. Ça m'a l'air une histoire intéressante, dites-moi tout. Ok. C'est qui, sur qui elle va faire fianter? Je le sens mal, moi, ce genre d'histoire. Alors, machine. Comme ça, on fout des gens au trou, quoi. Alors, on va lui demander si elle a rencontré un homme nommé Botaro direct. Celui qui m'a fait des menaces, je ne suis pas prêt de l'oublier. Des menaces. Ces Huana prennent trop de jolis mots des Valiens, ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Que s'est-il passé au juste? Cette personne voulait embarquer sur mon navire, comme si j'étais le passeur du bac du village. Je lui ai dit qu'il n'y en avait pas, certainement pas à ce prix. Et ensuite, il m'a dit que vous aviez de l'argent, beaucoup, je ne l'ai pas cru. Comment un homme vivant dans une décharge pourrait-il avoir assez d'argent pour la traverser? Et puis il m'a montré un sfeolenet. Qu'est-ce qu'un sfeolenet? Une pièce marquée, une preuve d'allégeance, les principi les portent. Alors j'ai su que je parlais à un pirate, j'avais entendu dire qu'ils avaient de l'influence à la Raveline, mais je n'imaginais pas à quel point. J'ai appelé les gardes, ils l'ont embarqué, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Les quartiers des passagers ont été réservés par un nain nommé Auron. Ce qui arrive à Botaro ne nous chagrine pas, je ne dirai rien. Si vous prenez Bia et les enfants, ouais, on peut faire ça. Maya ici présente pourrait avoir une chose ou deux à dire concernant la citadelle de Uki, on va faire ça. Ça fait quelques saisons que je n'ai pas personnellement réquisitionné un navire, mais je doute que le Hanwazi s'en soucie et fait craquer ses doigts. Ce ne sera pas nécessaire. Très bien, je peux encore en prendre 3 dans la cale, mais pas davantage. Au son, ses compagnons ont réservé les poussettes. Les couchettes, pardon.
Les enfants sont petits, vous faudrait sûrement en prendre davantage. Vous allez déjà devoir abandonner les caisses de marchandises pour faire de la place à ces trois-là, sans compter la nourriture et les boissons. Alors, on va lui demander de nous parler un peu d'Auron. Des chevaliers du Pacte d'Or. Un ordre de paladins mercenaires, ok. Auron est particulier. Mais peut-être que c'est bon, il vient d'en donner un contrat de surveillance du moulin d'Adra lumineux Valien. On dit que les animaux anciens sont également spéciaux. Il est à l'étage, mais ne dérangez pas s'il est en train de changer des objets. Alors on va aller voir si on peut pas négocier avec Auron, vu qu'on doit probablement avoir débloqué quelques options de dialogue. On a un mec gentil, nous. Hein. On essaye d'aider la veuve et l'orphelin. Bien sûr, en échange de l'or qu'on va finir par trouver sur le cadavre du mec. Hein, mais... Alors, il nous faudrait quoi? Du bluff. J'ai ouï dire que vous aviez acheté le passage sur le navire du capitaine Seduzzo. En effet, notre bon capitaine n'a 4 couchettes adaptées, toutes de même taille, tournées dans la même direction. Elle a promis un départ imminent. Il est vraiment, vraiment bien, bien carré, quoi. Que faudrait-il pour que vous cédiez vos places sur le bateau? Hors de question, nous devons être à Takoa pour un autre contrat et le client nous a déjà payé une avance. Nous avons déjà payé ces deux zones, je ne pouvais décemment pas reprendre les pièces que j'ai dépensées. Il tremble de terreur. Ces chevaliers du Pacte d'Or ont un amour du devoir qui égale mon amour du pays. Alors, je réserve des places pour une famille, mais ces deux zones n'ont de place que pour trois d'entre eux, alors ils seront séparés. Sa main s'agit si volontairement qu'il éclabousse légèrement la table de quelques gouttes de vin. Ah oui, on peut jouer sur la séparation et tout. Et vous allez vous retrouver avec la moitié d'entre eux pour tout le voyage. Est-ce que ça ne serait pas un impair? Ça ne va pas aller, ça ne peut pas aller du tout. Il éponge toujours le vin renversé, mais une certaine fragilité pointe son visage foncé. Ses compagnons s'agitent nerveusement sur place. Enfin, Auron s'éloigne de la table en poussant dessus et soulève le regard vers eux. Elle ajoute la reine, et vite, il nous faut trouver un navire plus convenable. L'efficacité, quoi. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Alors, on va donc retourner voir la dame. Eh, c'est super, il y a 4 couchettes libres et en plus c'est déjà payé. Que demander de plus? Alors, Auron ne voyagera plus avec vous. C'est pratique pour vous, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a des ennuis, je compte bien les éviter. Les couchettes sont payées, vous pouvez envoyer vos amis tant que vous promettez de ne pas me poser de problème. Mais ne traînez pas, je ne voudrais pas que le désordre que vous avez semé se répande sur mes ponts. Bon, bah une bonne chose de faite. Propre, efficace. Travail bien fait. Bravo les gars. On aurait pu les buter, mais ça aurait été salissant. Puis bon, les paladins du Pacte d'Or, pas envie de les mettre à dos, quoi. Allez hop, en avant. Allons annoncer la bonne nouvelle s'il n'y a pas d'autres truands qui décident de nous piquer nos pièces. Alors, Xoti et Eder qui discutent. J'ai l'impression que vous ne m'appréciez pas beaucoup. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Je crois que ça cause quelque chose que j'ai dit. Non, c'est pas ça. En fait, vous ne faites rien de mal, à vrai dire. Vraiment? Je veux dire, vous me le diriez s'il y avait un problème, pas vrai? Si je vous avais dérangé tout ce temps. Ce n'est rien de personnel, c'est juste que je ne vois aucune raison de discuter, c'est tout. Oh, le râteau monumental! Oh, et bien merci d'avoir tiré ça au clair. Oh la vache! Le râteau qui pique, quoi. Il est toujours à 2 du coup, mais elle... bah elle est toujours à 0, mais ouais, putain la vache, prendre des râteaux visiblement c'est pas trop gênant. Ok, ça c'est fait. Je ne vois rien qui vaut la peine de discuter, quoi. Allez, ma petite. Alors, savez-vous que Botaro travaille pour des criminels? Bien sûr que non, il travaille sur les quais. Il a montré un sueulené à Seduzzo. Je vous en prie, arrêtez. Le contrôleur maître cherche une raison pour nous balancer en bas, nous aussi, de telles paroles vont le mêler directement à nous. Mais non, tu vas pouvoir partir.
Elle a accepté de tous vous embarquer. Se tient quoi un moment, les yeux se remplissent de larmes, elle arrache les roseaux. Notre gardien, c'est quelqu'un, un diantre, vous allez me faire pleurer. Que les vents d'Amira soufflent dans votre direction, nous aurons toujours une prière pour vous dans cette vie comme dans les suivantes. Parfait. Il y a moyen que ça nous fasse monter un petit peu en réputation tout ça. Votre réputation auprès de la ravine a augmenté majeure. Ah oui. Voyons ça. La Raveline. La Raveline 1. On est passé à 1 direct. Bon, c'est plutôt cool. C'est le genre d'endroit où c'est intéressant d'être bien aimé, je pense. T'as moyen d'avoir des infos sympas. Bon, bah, cela étant fait, allons voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Ah, il y a une petite ciné. You're giving Ishii a weird look. What did he do? You've caught the eye of someone important. Alors, vous avez attiré l'attention d'un personnage important. If you're interested in making good pay, si une bonne rémunération vous intéresse ainsi qu'un bon amour, rendez-vous aux gorges à l'extrémité occidentale de la Raveline. Une fois dans les ruelles, tournez à droite, puis à nouveau à droite dès que vous le pourrez. Ensuite, suivez le coude vers la gauche. À droite, puis ensuite le coude vers la gauche. Les brutes qui gardent la porte ont un faible pour le Zvef à mâcher. Vous pouvez suivre leur piste. Dites-le ce que c'est Dario qui vous a fait mander et faites attention à vos manières. On a une nouvelle quête du coup. L'appel de la conque. Tâche. Quête. Bah oui, mais alors c'est où? Conque. Ah, elle est dans les quêtes, pardon. Rencontrer une mystérieuse silhouette dans les gorges de la Raveline. Ok. Intéressant. Petit grappin, c'est très intéressant ça. Ouais, pour ça, ça valait le coup de venir dans la Raveline. Alors, Enoï. Dis-nous tout, Enoï. Un vieux reparu regarde dans votre direction, on a cliqué abondamment des yeux. Qu'avez-vous à dire, mon garçon? Les bras du vieillard sont fins comme des baguettes, et tant qu'il lui reste, sont jaunis ou noircis par des années de malnutrition. Savez-vous qui je suis? Je vois beaucoup de choses, la différence c'est que je ne regarde pas avec ses yeux comme d'autres le font. J'ai entendu beaucoup de choses aussi. Les gens parlent de votre bonté, gardien, à la poursuite des Otas. J'entends aussi le battement du cœur des Roparu, à peine perceptible et laborieux. Voilà qu'un gardien vient à la Raveline comme Amira me l'avait montré. Qu'est-ce qui fait tant souffrir les Roparu? Il meurt de faim à petit feu, on avait plus ou moins remarqué. C'est la coutume Wana, les poissons que nous attrapons dans nos filets sont destinés à la tribu. Les fruits de nos champs aussi sont récoltés pour la tribu et l'argent qui garnit nos poches n'appartient pas à une personne mais à tous. Tout ce que possède les Wana est offert à la tribu dans son ensemble, la tribu le partage ensuite du haut vers le bas, du plus au moins méritant. Je le sais, puisqu'on vient de l'archipel du feu éteint. Les étoiles de l'aube auraient bien nous nourrir, mais les gardes leur interdisent de pervertir l'ordre du partage. Il y avait un homme qui nous aidait, un pirate au cœur tendre nommé Ulog. Il travaillait pour une capitaine principie, Morena la folle, comme on la surnomme, pour nous apporter de la nourriture du marché noir. Mais voilà plusieurs jours que nous n'avons plus rien. Les cargaisons d'Ulog n'ont jamais eu de retard, il est toujours très scrupuleux, un bon garçon. Pour qu'il disparaisse plusieurs jours sans un mot, il doit être mort. La reine refuse d'augmenter notre part de la loi du partage. Sans la cargaison du log, nous allons certainement mourir de faim. Que pouvons-nous faire d'autre? Les étoiles de l'eau ont déjà cherché à vous aider, nous pouvons les utiliser. On va essayer de jouer là-dessus. C'est scientifique, quand il s'agit de missionnariat, mes frères et sœurs sont toujours heureux de prêter main forte. Les moins cinglés d'entre eux, j'espère. Pitli est une enfant d'étoile de l'aube, elle est devenue l'une des guérisseuses les plus estimées de la Raveline. Je pense qu'elle recevrait favorablement votre demande de charité. Ok. Pourquoi pas. Bon, je vais pas aller intercéder en leur faveur quand même pour devant la famille réelle, j'ai quand même autre chose à foutre quoi. Je suis un mercenaire, pas non plus un samaritain. On va trouver une solution qui ne me coûte rien. Un courant d'air moite et musqué monte de l'abîme. Établir une source de nourriture.
se rassemble au temple de Gaune à l'escalier sacré. Ouais. Bon, on verra ça. On n'a pas loupé une maison là. Oui, on a complètement loupé une maison. Surely you have a scrap to spare. Merci, traveler. Never have I been so hungry. Oh, je suis bien bouffé. Thank you, traveler. Thank you. Voilà, comme ça, au moins, on augmente un petit peu notre réputation. Alors, on va aller à la maison que j'ai ratée, quand même, avant d'aller faire un tour dans la gorge, là, c'est là. Ce sera fait. S'il y a quelques quêtes, ça nous fera un petit peu d'XP, c'est pas plus mal. Il y a des trucs par là. Ah oui, ça repart par là et ça retourne sur la maison troglodyte, ok. Très bien. Voyons voir qui est ce Tétis. Bah, je sais pas qui c'est, mais il est pas là en tout cas. Poche de venin, bolet verrouillé, intéressant, très très intéressant. Bien, bien, bien. Alors là, il y a un sanctuaire, le sanctuaire, j'imagine, de la fameuse Pitli. Pendant qu'on y est, on va aller voir si on peut pas intercéder un peu en faveur de la bouffe. Bon, après, ils ont une famille de moins à nourrir, ça peut bien se passer quand même. Alors, Pitli. La femme se penche au-dessus d'un tas d'herbes sèches à l'odeur âcre, elle les écrase et les réduit en poudre sur un bout de parchemin sale, toussant sous l'effort. Elle fait un peu pour vous bloquer le passage. Pitli, bon sang! Bon Gaune, pardon. J'ai failli ne pas vous reconnaître, vous avez plutôt l'air d'un cadavre réchauffé d'une étoile de l'aube. J'avais pas remarqué votre présence, Xoti. Écoutez, vos camarades et vous devriez partir. Je ne me sens pas flabarde et je ne voudrais pas que vous tombiez malade. Est-ce que vous allez bien? Rien qu'un petit peu de racines de gingembre et de repos au lit ne me puisse guérir. Laissez-moi, je vous prie. C'est quoi qu'il faudrait là? Alchimie. Peut-être que je peux aider. On a deux en est bienveillant et on a deux en enfant des toits de l'aube. Ce n'est pas. Et c'est une autre quinte de tout. Attendez, c'est de vous dont parlait Sewin et les autres étoiles de l'aube. Dans ce cas, peut-être est-ce possible. Il y a des repas aux marades dans le fond et je ne peux rien faire pour eux à part assurer leur confort. Et hors de vue. C'est loin d'être un sanatorium, mais au moins ils sont isolés des autres. C'est toujours mieux que de les laisser errer dans la zone. Je peux leur offrir une mording faute de mieux. Ouais, alors est-ce qu'elle peut du coup nous aider à résoudre le problème de nourriture La tradition Anna implique la loi du partage par laquelle tout ce que nous pourrions donner à ces gens doit passer par le palais. Parce que j'en sais, notre nourriture a fini sur la table de la reine, en espérant qu'elle n'ait pas pourri dans un entrepôt avant. Fourniriez-vous des provisions si les principiers acceptaient de les acheminer clandestinement? C'est une question pour Sewin, je lui demanderai bien moi-même, mais j'ai déjà les mains pleines ici. Elle est grande prêtresse au temple de Gaune, dites-lui que le Pitli vous envoie et vous écoutera probablement. Alors ils ont les malades, ils ont la pleurésie du noyé. Elle se répand comme les commérages et tue encore plus vite. Un cadeau des Valiens. Hein. Ça remplit les poumons de liquide, du coup on tousse tout le temps pour essayer de l'évacuer. Une de mes passantes a toussé si fort que c'est cassé une côte. Finalement on peut plus le cracher, j'imagine qu'on se noie à la fin, sympathique. J'ai entendu que les Roparu étaient tombés malades, alors je les amène ici pour m'en occuper, les soignants de la ville ne descendent pas ici. J'ai réalisé ce que c'était quand j'ai entendu le raclement dans leur poitrine, la façon dont ils inspiraient comme des poissons hors de l'eau. Le seul remède est un élixir à la base d'huile de pignon de pomme de pin. En tout cas, si la nouvelle infection se répand, ces pauvres bouts seront jetés dans la vieille ville. Personne n'est Kataka et de l'argent ne le dépense pour des Roparu. J'aimerais bien aider, mais j'ai pas envie de filer de la thune. Hein. Ouais, alors allez chercher dans les mineurs des trucs. Quel intérêt pour la ravie nos enfants des étoiles de l'aube? Ça, c'est une vraie question.
À peu près l'unique à être honnête. Ici, les Reparus sont traités comme des déchets et ils doivent même manger des ordures de la décharge en face de l'ascenseur. Mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Dereo et sa saleté de Principi profitent de l'abandon et que l'endroit est livré pour fournir le marché noir de l'allié du mineur. Pendant ce temps, la ravine devient toujours plus peuplée, certains se font expulser chez eux par des pirates, des pierres et même des spires des compagnies marchandes. D'autres entendent parler de richesses étrangères se déversant dans la ville. Bon, classique, hein. Les étoiles de l'aube font de leur mieux et la plupart d'entre nous sont venus du Raet Seras après le fléau du Vorla et la guerre du sang. Nous n'avons pas oublié ce que c'est que survivre avec peine. Parfois, je me dis que c'est peut-être Eotas. Peut-être pourquoi Eotas nous a amenés au feu éteint, pour que nous puissions faire un peu de bien. Les autres jours, je suis simplement trop fatigué. Ouais. Ça sent le pâté, tout ça. Ça sent le pâté. Et donc là, ouais, on a les malades. Ok. Bon, bah, si on arrive à trouver du médicament, on lui filera, hein, pourquoi pas, hein, je suis pas contre hein, l'idée, mais bon. Pas dépenser mon maigre pécule pour ça. Oh, un petit chat. Alors, ramasser le petit chat. Alors, on a trouvé Ikis. Qu'est-ce qu'il fait, Ikis? Plus 3 sur toutes les défenses contre l'affliction corporelle, l'affliction touchant l'esprit. Et un bonus de défense contre les attaques infligeant maladie ou poison. Ouais, bof. C'est pas ouf. Par contre, je commence à comprendre l'intérêt du truc de la ménagerie, là. Qu'on peut améliorer dans le bateau, parce qu'on a quand même sacrément des bestioles. What say? Help how? Poison me? Il dit comment en m'empoisonnant? Ok, bon, ils parlent visiblement de Pitli, eux, mais ils sont pas fans de l'idée. Alors, ici, on a les gorges. On va donc y aller. Vous encouffrez dans une ruelle sombre, l'orant d'urine et de cendres froides. Alors, un long passage s'étend à gauche à droite. Des ombres se meuvent sous lumière vacillante des torches, mais sans rien de plus que de lointaines silhouettes. Donc, nous, on devait prendre à droite. Traverser l'obscur passage, atteignant une intersection. Encore à droite. Le tunnel bifurque à gauche. Le sol près de l'entrée a été éclaboussé d'une substance aussi épaisse et brune que le goudron, on dirait du Svef. Très bien. Prends à gauche. Les gardes apparaissent et vous bloquent le chemin. L'un d'eux crache une boule de glaire visqueuse à vos pieds. Mais vous rebousserez chemin à la veille. Au-delà, c'est uniquement sur invitation. Alors on peut les attaquer ou dire que Dereo a envoyé un messager, on va lui dire ça. Les gardes hochent la tête et vous laissent passer. Putain, c'est un peu trop facile, hein. Au bout du passage se trouve une porte imposante faite en acajou poli. Depuis l'infime fissure de la porte, vous apercevez des ombres créées à la lumière des torches et des textiles bariolés. Quoi que recèle cette porte, ça doit être bien plus élégant que ce que vous avez vu à la ravine jusqu'ici. Et ben on va aller voir. On est là pour ça, après tout. Alors, on a une brute, ok, très bien. On va faire une petite sauvegarde, ça fait longtemps. Il y a plein de trucs à piller, et on a Dereo le Svelte, hein, qui m'a l'air un peu avachi sur sa chaise pour un mec Svelte. Allons voir, non. Hop là. Alors mince, aux membres élancés, tient un mouchoir d'une main et une aiguille de l'autre. Tandis que vous approchez, elle pose son ouvrage de côté. Vous remarquez alors qu'un motif complexe était brodé en fil d'or sur son pourtour. Vous décernez également sous le fin tissu de son pantalon une écroche grosseur qui descend de la hanche à la cheville. Ok. Le héros des Reparu vient enfin me voir. Veuillez pardonner cette présentation sibylline, mais je préfère ne pas quitter le confort de ma demeure. Vous voyez quelque chose dépasser de ses bottes, la partie inférieure d'une attelle jambière. C'est amusant de voir un pirate dans un bureau plutôt que sur un bateau. Je suis désolé si j'ai coulé le vôtre. Ces impertinences sont inutiles, je suis un homme d'affaires. Même si son luxe est modeste par rapport à ceux qu'offre le palais. J'avais su qu'un gardien se cachait parmi nous, je vous aurais invité plus tôt. Alors, on va attendre. Si vous avez su que vous habitiez une demeure aussi cossue, je me serais invité tout seul. On va faire ça. Il se tord de rire. Je pense que vous et moi pourrions devenir de grands amis. On n'a jamais trop d'amis, Neketaka. Je vais être honnête, Garnia, je ne crois pas qu'il faille attendre de ces gens une amitié très sincère. Merci, Xoti, c'est super utile, ton... Je n'ai qu'une faveur à vous demander. Un service insignifiant pour un gardien tel que vous. Un artefact, le cornet des vagues, est actuellement entre les mains d'un banane nommé Takano. J'aimerais que vous le libériez pour moi.
Pourquoi avez-vous besoin d'un gardien? Très bonne question. Les gardiens voient ce qui est invisible à beaucoup d'yeux. Takano est un homme très vain, comme vos dons particuliers vous le répéleront sûrement. Sa villa se trouve à l'extrémité orientale de la couronne du serpent, soulevant par rapport au palais. Tiens, je me demande si j'ai pas déjà été. L'opportuniste que j'ai engagé en premier lieu était trop imprudente et s'est fait expulser du quartier. Alors, c'est quoi diplomate? Grâce à vos manières distinguées et vos talents exceptionnels, j'espère que vous pourrez éviter ces complications et persuader Takano. Après tout, mieux vaudrait éviter de provoquer la colère de nos hôtes Mataru. Lorsque vous aurez le corner, amenez-le-moi. Je vous paierai bien et vous constaterez que mes bonnes grâces sont utiles dans cette partie de la ville. Qu'est-ce que le cornet? Une espèce d'instrument de musique. Il faisait autrefois partie d'une paire, mais son compagnon, le cornet des profondeurs, a été perdu lors de l'engloutissement de la vieille ville. Il raconte qu'ils portent tous deux la voix d'Ondra elle-même. Ce n'est pas sa valeur monétaire qui vous intéresse. Il tousse dans sa main pour masquer son trouble. Je vous ai dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur le cornet. Maintenant, je vous conseille de concentrer votre esprit vif sur la manière de le récupérer. On va dire, les principes semblent divisés. Quel camp avez-vous choisi? Pourquoi n'a-t-on parlé de camps comme des marchands des républiques qui se chamaillent? Je crois que j'ai été discuté avec le mec qui m'a parlé de sa conque là. Ah, nos marchands chamaillent. J'imagine que vous pirates se passent des chamailleries et se contentent de se tirer une balle dans la tête. Mieux vaut gâcher du plomb que des mots. Ça, c'est du slogan. Autrefois, il n'y avait pas de camp, il n'y avait que les principiens un peu punis par une culture et des intérêts communs, mais au fur et à mesure que croissait notre renommée, nos effectifs se sont renforcés et ça a foutu la merde. Beaucoup de ces nouvelles recrues n'ont aucun sens de la mesure et peu de considération pour nos traditions. Néanmoins, nous avons besoin d'eux. Les nouvelles recrues appartiennent aussi aux principiers désormais. Beaucoup font preuve d'une créativité que l'on ne retrouve pas chez la vieille garde. Qu'ils soient inventifs ou non, leurs navires finiront dans les griffes d'Ondra. Pour un peuple si sérieux, vous autres Rawatai avez une imagination très vive. On va essayer de demander à parler à Morena la folle. Tout d'abord, vous devez me porter le cornet des vagues. Ouais. Ok, donc bon, visiblement, on n'en tirera rien de plus. Sur le canon est gravé l'emblème de la compagnie royale du feu éteint. Il y aurait peut-être des liens. Bon, en même temps, ils ont très bien pu le voler aussi. Hein. Tu te débloques, oui. Hop, on sort. On va explorer les gorges un peu. Vous laissez l'opulence de la planque de Dereo derrière vous et retournez dans les tunnels au courant froid et humide. On va prendre à droite. Vous entendez le murmure de voix au loin, mais personne en vue. Prends à gauche. Percevez le tapage et le muscle d'une multitude de personnes. Non, merde, je voulais aller à gauche. À droite, du coup, on est dans l'autre sens. Vous percevez le vacarme de la Raveline. L'odeur d'ordure femme. Ouais, ok, on a trouvé une sortie. Très bien. Tout ça est un peu labyrinthique, hein, mais bon, c'est pas très grave. On n'a pas un besoin de fou, hein. On pourra toujours essayer de voir s'il nous doit des trucs pour. Et récupérer un peu de... Comment ? Un peu de médicaments pour je sais plus qui là. Pour Plity. Alors, on peut retourner à la couronne du serpent. On n'a plus rien à faire à la Raveline, on va vérifier. Ouais non, on avait ce truc là aussi à faire. Hein. Pour la ruelle est dissimulée, ouais, pénétrer dans l'allée du mineur en passant par les gorges. Ouais, on avait cette quête là à faire, faut qu'on arrive à refiler le médaillon qu'on a trouvé là, enfin que le prince nous a donné. Alors, on va prendre à gauche cette fois. Ce terminal se termine mais bifurque sur un autre. On va prendre à droite, vous arrivez dans une porte, elle est aussi solide que la pierre l'encadrant sans aucune poignée. Vous représentez un silence de mort de l'autre côté, vous tapez doucement à la porte, produisant l'écho que ferait un immense espace vide. Très bien. Donc du coup on va avancer, parce que à droite on sort. Quel bifurque à droite, vous entendez des voix murmurant plus loin dans l'allée sombre, mais personne en vue, donc on va continuer d'avancer. Sur votre gauche, un stand abandonné fait étalage de bijoux de pacotille.
On peut essayer d'inspecter le stand, on va le faire. Alors, on a qu'un de roublardise, c'est un peu dur. Exposez devant vous des babioles diverses et variées, faites de bric-à-brac, des colliers d'arêtes de poissons, des boucles de chaussures, des bracelets avec des câbles de verre brisés. Mais le rideau se balance en claquant comme soufflé par un courant d'air. Vous bougez sur le côté et découvrez un passage secret. Passez le rideau derrière le stand. Ah oui, le fameux rideau avec l'œil du mineur derrière. Vous promenez avec plusieurs silhouettes encapuchonnées lorsque plusieurs silhouettes encapuchonnées surgissent de l'obscurité. Passez vite, il y a un prix à payer pour visiter l'allée du mineur. Alors, diplomatie. Braves gens, les marchés libres sont essentiels à l'équilibre d'une économie saine. Vous n'allez pas y conduire un client prêt à consommer. La dernière fois que je suis passé, j'ai vu un homme avec une cicatrice, je l'ai déjà payé. Ouais, non. Non, on va y aller comme un connard. Bah si vous voulez pas, j'attaque. C'est bon, je paye pas 50 pièces de cuivre. Mais 50 pièces de cuivre. C'est mort. Crevez tous. Alors, fight. Très bien. En avant. Alors, une petite frénésie ici. Là, on va le tirer. Alors, on a quoi? Un meurtrier, un guérisseur. Un guérisseur. On va tirer sur ce sympathique guérisseur. Toi, tu charges. Toi, tu fais ça déjà. Et après, tu charges. Toi, tu vas nous faire également une petite célérité des familles. Et elle, elle va s'occuper de cette brute. Et la bestiole, elle va charger le guérisseur. Hop là, on est bien. Donc le guérisseur a déjà mis life. Ça pique bien sûr. Nous on est bien, lui on a plus de chances de le toucher, donc on va se faire plaisir. Ça c'est quoi? Un meurtrier. Les meurtriers visiblement c'est des mecs à distance, lui ça va être plus ou moins un lanceur de sorts. On va lancer un petit stunt des familles. Bon, lui, aggro celui-là, finalement, ça fera le job. Nous, on recharge. Hop là, on est à 100, c'est parti. Bon, Kiki, on y va comme des bourrins. Ah, le guérisseur est décédé. C'est une excellente nouvelle. Ouh, Xoti prend cher, par contre. Elle prend cher. On va faire un petit jet d'athlétisme. Parfait, ça passe. Toi, un petit truc enflammé là sur la tronche du bagarreur là. Nous on va faire un petit murmure sur celui-là. Murmure de trahison. Ah, c'est raté malheureusement. Donc là tout le monde est mort. Hop, occupez-vous de lui. Eder, est-ce que tu peux attirer celui-là? Non, tu dois. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà. Attire celui-là, s'il te plaît. Et là, pendant que la bestiole est un peu dans le mal. Non, je veux faire un truc de protection, là, s'il vous plaît, merci. Nous, on va faire un petit tir sur le meurtrier, puisqu'il veut pas se laisser. Donc, voilà, ouais, trop tard. Izisha machin chose est décédé, c'est pas grave. Ok, parfait, là on l'a tellement repoussé qu'il en est carrément mort. C'est nickel. Toi j'aimerais bien que tu désignes ce monsieur comme ta prochaine cible s'il te plaît. Et toi tu vas commencer à te faire celui-là là. Ouais, ça fait tellement mal, c'est son arquebuse là. Alors, toi tu vas attaquer là, toi tu vas ici, et puis elle est en train de le désigner comme cible, donc j'imagine que derrière elle va l'attaquer, non même pas, s'en fout. Hop là, on va l'aveugler un coup. Eh ben il est mort. Hop, du coup tu vas recibler ici s'il te plaît. Ici, oui. Complètement, tu ne peux pas. Peut-être parce qu'il est déjà en train de le lancer, c'est pas grave. Allez-y, tous, tapez-moi sur ce con là, on va le nettoyer très très vite fait. Hop là, voilà. Alors, quelqu'un d'autre veut nous faire payer ou pas? Comment ça se passe?
Du tabac, un peu de merde, de la pyrite, ok, bon, du stuff de brut de base, hein. Des oies de bronze, hein, quand même. C'est pas si mal. Ici, on a quelques crochets, de l'équipement de base. Donc, je regarde si je peux pas équiper mes marins avec ça, en fait. Faut pas que j'oublie de resélectionner la bestiole. Hop, donc là, on peut repartir, visiblement. Ok, très bien. Alors du coup c'est pas de là qu'on vient. Ah, si on peut repartir aussi. Ah oui mais peut-être que c'est juste une zone transitoire en fait, il y a peut-être rien du tout, faut effectivement qu'on reparte. On va se balader un peu au cas où. Ouais là on repart aussi et par là où il y a une grosse porte. Même pas un petit truc à la con à fouiller, non? Bon bah du coup repartons. Alors se rendre à l'aide du mineur. Vu qu'on a tapé. Alors j'espère qu'il fallait pas ne pas taper. Oh, c'était du clampin de basse. Quand même pas abusé. Parfait. Alors, on a une quête mise à jour, un secret de fabrique. Alors, je pourrais peut-être. Faut que je me rapproche de Dereo, vous êtes sérieux? Trouver le médicament contre la pleurésie du noyé. Ouais. Bon, on va discuter un peu avec les marchands. Donc ici, une Orlan aveugle qui a des épices. Criminel de l'allée du mineur Bat 2. Faites attention à vous. Ah, on a chopé une mauvaise réputation parce qu'on a buté des gardiens, c'est ça? C'est l'odeur de la cardamone qui vous a mené ici, non? Ou bien le mordant du poivre frais? Je cherche un médicament traitant la pleurésie du noyé. Vous devriez les demander ailleurs. Soyez prudent, si le compagnon de Matari autant parler d'une maladie, il pourrait bien venir vous poser quelques questions. Mais qu'ils viennent, qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Vraiment de la bouffe. Ah, il y a quand même quelques stuff raffinés, mais. Une armure matelassée exceptionnelle. Armure de cuir exceptionnelle. Ouais. Bon, ça coûte une blinde, donc c'est pas trop la question. Mais il y a des cordes et grappes, hein, intéressant. Ouais. La réputation. Criminel de la mine mineure, moins 3. Ah oui. Tout de suite, quoi. On tue les gens qui nous menacent, on se fait mal voir, quoi. Franchement, je trouve que c'est extrêmement délicat. Au moins, ils m'attaquent pas à vue, c'est déjà pas mal. Marchand de rue. J'ai rien à faire avec les gens comme vous. Ouais, du coup, ils vont pas vouloir nous parler. C'était un peu le risque. Rouille, t'as un bon nom, toi. Ils vous scrutent en plissant le front, mais reste muet. On met les pieds dans le plat. Je sais qui vous êtes. Je fais mon affaire de garder un œil sur les nouveaux qui arrivent à la Raveline. Vous êtes le sujet de ragots favoris des rats du coin. J'imagine que vous êtes là pour m'acheter des objets d'art, n'est-ce pas? Il fait courir un doigt sur le garde d'un stylet incrusté d'émeraude, caché au milieu des replis d'une tunique de cuir sombre. Alors que la pierre précieuse irradie une lueur caustique, ses yeux plissés semblent danser dans la lueur magique. Vous êtes un assassin? Alors que vos paroles retentissent dans l'allée, vous recevez une réponse, une moue renfrognée de la part de ses lèvres fines. Les assassins ne sont que des couards. Auriez-vous envie de faire partie de mon équipage? Quel change de paiement demandez-vous? Ça dépend du talent, on ne se connaît pas, alors gardons nos affaires au sein de la Raveline, d'accord? J'ai un problème dont vous pourriez vous occuper. Go on. Le cornet des vagues, une réplique. Non, on s'en occupera. Non, 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 on s'en fout. Vous allez vouloir parler à un Valien du nom d'Ernezo, qui tient une échoppe en bas de la rue, dans l'allée. Ne dites pas que c'est moi qui vous renvoie, ne dites pas que je vous ai jamais rendu service. Ok. Donc ici on a un tueur si jamais on voulait éventuellement faire des trucs pas nous-mêmes. Les peintures ont l'air d'identiques jusqu'aux signatures copiées dans les coins. Ok.
Bon, il a dit descendre. Je vais vérifier. Ernesto disposerait des médicaments. Hein, mais qu'est-ce qu'il va me demander aussi pour les donner hein. C'est un peu la question. Putain, la vache, il a... Il a du peuple pour protéger sa boutique, le mec. Ernesto, je vous ai encore jamais vu. Vous devez être nouveau, ou un as du déguisement. Attendez, je fais erreur. Vous vous êtes fait quelques mises ennemies par ici. Rester dans le coin demande une sacrée audace. Mais comment avez-vous entendu parler de cet endroit? Attendez, non, ne me dites rien. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. On va s'arrêter là, en fait. Par contre, j'avais pas du tout vu l'heure, enfin la durée de l'épisode. Donc du coup on va s'arrêter ici et ben on verra la prochaine fois pour essayer de trouver ce fameux médicament. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.